En cause, deux enquêtes qui sont en cours, l'une sur une somme de 15 millions de dollars due aux sociétés pétrolières et finalement réquisitionnée par le chef de cabinet du président Tshisekedi. L'autre enquête sur les dépenses, l'ensemble des dépenses du trésor public congolais depuis l'alternance au début de l'année. L'inspecteur général des finances dit avoir été dans le bureau du conseiller spécial de la présidence en matière de sécurité. Victor Batoubenga dit même avoir été menacé. Il y a eu même des menaces concernant mon intégrité, celle de ma famille, de mes enfants. Qui a formulé ces menaces contre vous? C'est un des collaborateurs du conseil spécial. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont venus à l'inspection générale des finances avec 4 types de policiers. Ils ont pratiquement molesté même quelques personnes sur place. Ils ont amené aussi un des inspecteurs qui était sur place. Je suis vraiment étonné de voir que les choses se passent de cette manière. Vous avez l'impression de gêner ou que le travail que vous avez fait dérange? Le collaborateur dont j'ai parlé dans cela m'a dit que mon travail dérangeait. Dérangeait qui? Moi, je ne sais pas, dérangeait peut-être les autorités. Vous allez continuer à faire votre travail aujourd'hui, Victor Batoubenga? Ce service dépend directement du chef de l'État. Malheureusement, tout ceci est arrivé pendant qu'il était absent. Je pense que je pourrais m'adresser à lui pour qu'il puisse quand même prendre toutes les dispositions pour que et moi et tous mes collaborateurs, nous puissions travailler en toute sécurité. Dès son retour, je vais chercher à le rencontrer. Victor Batoubenga, joint par Pierre Firsion, et la police reconnaît de son côté avoir interpellé l'autre inspecteur. Selon le numéro 1 de la police à Kinshasa, l'audition était consacrée à la confidentialité des enquêtes menées par l'inspection générale des finances. L'entourage de Félix Tshisekedi dit attendre de son côté le retour du chef de l'État à Kinshasa avant de faire tout commentaire. RFI 6h.